Merci, Monsieur le Président. À l'aube du 24 avril 1915, à Constantinople, 600 notables arméniens étaient assassinés sur l'ordre du régime ottoman. C'est le début du premier génocide des temps modernes. Et je convoque Albert Camus ici pour rappeler aimablement à Madame la Commissaire l'importance d'utiliser les mots exacts. Notre Parlement fut dès 87, ça a été dit, la première organisation internationale à reconnaître ce génocide, presque 30 ans plus tard aujourd'hui. Et bien que la position du gouvernement turc ait évolué, je ne minimise pas cet état de fait, c'est toujours la reconnaissance de ce génocide qui cristallise les relations entre Turcs et Arméniens, en témoignent encore les récentes déclarations du président Erdogan sur les propos du pape François. Était-il donc indispensable dans notre résolution, pour le reste assez équilibrée, de se féliciter des condoléances d'un président qui, par ailleurs, campe sur des positions de facto négationnistes, comme mon collègue et ami Jean-Marie Cavada? Je ne le pense pas. Winston Churchill et d'autres, Elie Wiesel, l'ont dit, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Je conclus, Monsieur le Président, notre Maison Europe a un rôle à jouer dans la construction d'un avenir commun entre Turcs et Arméniens, et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui.